René Quinton, 1866-1925. Voilà un homme qui a connu une célébrité mondiale et qui est aujourd'hui presque complètement oublié. Et ça, je crois que c'est tout de même un cas très particulier. Bon, on connaît le cas de nombreux novateurs qui sont restés méconnus, mais là, c'est tout à fait... On a tendance à penser, et c'est souvent vrai, que la célébrité vous colle à la peau, qu'une fois qu'on a un nom, on le garde. Eh bien là, c'est fantastique, il a perdu son nom. Et il a été, je dirais, deux fois célèbre, parce qu'il l'a été d'une part en tant que scientifique, et c'est surtout ce cas que nous allons évoquer, mais il l'a été aussi en tant que pionnier de l'aviation. C'est grâce à lui que l'aviation française a décollé, si je puis dire. Et ça aussi est une chose qui est complètement oubliée, sauf bon, des spécialistes, des historiens de l'aviation. Ce sont à peu près les seuls à savoir le rôle éminent que René Quinton a joué. Ce sont deux aspects de sa vie très différents, mais qui sont aussi extraordinaires l'un que l'autre. Alors, René Quinton a été célèbre mondialement, mais notamment au début du XXe siècle, à la suite d'une épidémie de choléra qui avait fait en France de nombreuses victimes. Et René Quinton a sauvé des milliers d'enfants. Et personnellement, je suis convaincu que si on avait gardé les formules de René Quinton, qui existent encore, qu'on peut encore se procurer, mais que la plupart des médecins ignorent, et le public plus encore, on pourrait encore aujourd'hui sauver des enfants, notamment de la leucémie. C'est tout de même extraordinaire que ce soit complètement occulté.